livre effectivement retrace l'histoire de ces survivants depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, bien sûr les survivants et leur descendance. Et je montre comment le retour, la réinstallation en Pologne a pu être difficile parce qu'ils ont été confrontés à un accueil parfois hostile, des politiques de discrimination. Et en même temps, je montre aussi qu'ils ont pu se réinstaller, vivre une vie juive, certes très différente d'avant la guerre, mais néanmoins possible durant toute la période. C'est effectivement une question assez paradoxale que je me suis posée, que j'ai étudiée, à savoir comment c'était possible qu'après la guerre, ces survivants aient été confrontés à tant d'hostilité. Alors il y a beaucoup de facteurs qui permettent de l'expliquer. Il y a les conséquences d'une violence très forte pendant la guerre qui se prolonge après-guerre avec un climat de quasi-guerre civile. Il y a la persistance d'un antisémitisme, je dirais presque culturel en Pologne, enfin d'un anti-judaïsme émanant de l'Église qui a des séquelles encore très fortes en Pologne après la guerre, des facteurs également économiques, certains au sein de la société polonaise ont peur de voir ces survivants revenir et récupérer les maisons, les biens qu'ils ont laissés lorsqu'ils ont été déportés. Donc des facteurs politiques, des facteurs économiques et des facteurs sociaux avec cet antisémitisme persistant qui change de forme après-guerre mais qui est toujours là et qui s'exprime avec violence puisque ces violences antisémites dans l'immédiat d'après-guerre font plusieurs milliers de victimes et vont pousser au départ la moitié des rescapés en l'espace de 5 ans. Et c'est vrai que cette histoire longue permet sans doute de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, à savoir qu'il n'y a pas eu véritablement, durant toute la période communiste, une réflexion sur ces rapports conflictuels pendant la guerre et dans l'immédiat après-guerre. Ce qui fait que aujourd'hui, dans un contexte politique un peu compliqué, la vision d'une histoire uniquement héroïque et martyrologique de la Pologne ne laisse pas de place à cette complexité et fait que cette loi en est l'expression. Il y a encore beaucoup de difficultés à accepter, reconnaître les discriminations, les difficultés qu'ont rencontré ces concitoyens polonais juifs pendant la guerre, pendant toute la période communiste du reste. Et c'est ce qui reste. Il y a encore beaucoup de travail à faire en Pologne aujourd'hui.